Ok, c'est parti! Je m'appelle Bastien Vidon et cette année j'ai eu une belle opportunité de skier avec Salomon et Bon Appétit pour montrer l'approche que j'ai du ski. J'ai toujours essayé d'allier les différents aspects pour être un skieur polyvalent et je me suis entouré de potes qui pouvaient me transmettre leur vision du ski et de la montagne à chaque fois. Avec les spécialités de chacun, on partage un but commun, se faire plaisir et voyager pour découvrir des nouveaux spots. Lui c'est Quentin. Ouais, moi c'est Quentin. Alors je connais bien Bast depuis pas mal d'années déjà. On était ensemble au lycée. Moi j'ai un background plutôt freestyle, freestyle backcountry. Donc au début on faisait pas mal de cabrioles, on va dire, en ski avec Bast. Et puis voilà. Tout là-bas, c'est Jérém. Salut, donc moi c'est Jérémy, je fais surtout du freeride. Je fais 2-3 compètes en junior tour et qualifier. Avec Bass, on est à l'ESF, du coup, entre deux cours piou-piou, dès qu'il y a les bonnes conditions, on essaye de vite chausser les fats et aller faire 2-3 runs, 2-3 phases dans la fraîche. Et ça, c'est bien cool, du coup. Et enfin, Carl. Moi c'est Carl, donc moi je suis plus axé ski de montagne et ski de rando. Donc on a envie de faire une petite sortie, on peut dire Bastien ça devient un peu mon compagnon de cordée. Donc on va en montagne, on dort en tente et on essaye de trouver des nouvelles faces à rider. Dernière, on était parti en Norvège ensemble et on avait bien rigolé, alors on s'est dit on va refaire la même cette année. Cette année, on a axé notre trip sur une destination un peu plus exotique, un peu plus dépaysante, et on a choisi la Géorgie et on va vous laisser regarder ça. À peine arrivé, on a récupéré le 4x4 et traversé tout le pays direction le nord-ouest pour rayonner autour de deux petites stations, Mestia et Tête Nouldi. C'est un dépaysement total et là on a vraiment pris noir de peur. Aïe, 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 aï
Après avoir passé du bon temps à Tetnoudi et Mestia, on a décidé de rentrer quelques jours à la capitale de Tbilissi, histoire de couper un petit peu avec le ski, de visiter la ville, et surtout de récupérer Quentin et Renaud, un ami caméraman, avant de repartir en pleine forme pour Goudori la deuxième semaine. Goudori, c'était le point clé de notre trip. Avec l'équipe au complet, à peine 2 heures de la capitale et énormément de possibilités pour faire du bon ski avec des approches rapides. Là on fait les malins, mais on a quand même eu des journées un petit peu moins fun avec la météo pendant ce trip. On a fait combien de mètres depuis tout à l'heure les gars? Ouais, 15. 15 mètres. Putain. Et il y a combien de fraîches à côté là? 40. 40. Putain, il y a plus de fraîches qu'on fait de mètres. Hello. Dabai. Problem this week? No, it's closed. Close? Yes. It will open today. It goes. I don't know. We can manage. Imo, hash toyo. Chair toyo. Okay, open it. Go. It's open. Yes, no problems. You sure? Thanks. Quand il fait tempête, on fait quoi? On fait tempête. Ouais. On fait tempête. Quand c'est tempête, c'est tempête. Il fait que de bouffer. On a pris trop de barres, vu qu'on fait pas de rando, on en mange pas. Mais on va pas se plaindre, c'est juste qu'il fallait qu'on remette une couche et nous laisser finir en beauté sur des belles faces.
On s'est tout simplement régalé pendant ce trip en Géorgie à la frontière russe dans le Caucase. On a découvert des stations plus ou moins atypiques, mais qui culminent toujours à plus de 3000 mètres. Du coup, on est sûr de pouvoir faire tout type de ski avec de la bonne neige, et ça, c'est vraiment le pied. Celle qui est belle, bien entendu, et qui dit belle, dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison, j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas un mec sympa, et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance, et je merde tout ça, ta na 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 na. Non, 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 non